Salut, c'est comment spammer les gens sur Systemio, les gens qui ont un compte Systemio et qui aiment bien leur tableau de bord affilié, hein, qui vont le voir quand même assez souvent. Comment les spammer directement dans leur tableau de bord affilié? C'est un peu comme la vidéo que j'avais faite sur. C'était quoi déjà? C'était comment savoir l'adresse email des gens qui ont un compte Systemio à partir de n'importe quelle page de leur compte. Ben là, ça sert un peu de la même chose. Et après, il faut faire autre chose. Bon, bref, donc là, on va choisir quelqu'un qui a un compte. Qui ça? Je sais pas moi. Là, j'ai classé dans Marketplace Systemio par les 30 derniers jours le nombre de ventes en affiliation que ces vendeurs ont fait. Bon, on peut dire elle, là, les reines de l'affiliation. Après, c'est qu'un exemple, hein, c'est sûr. Bon, ça servirait à quoi de la spammer elle, Emma? C'est un peu à rien. Bon, en tout cas, voilà, il y a la page de capture. Donc, on clique sur la page de capture. Et là, comme c'est une page de son compte, Ambition Féminine, on fait voir source, on contrôle U ou autre. Et là, on va rechercher. Donc, rechercher Affiliate Link. Donc, il n'y en a qu'un dans la liste. Et après Affiliate Link, il y a l'adresse email, l'adresse de Systemio avec son identifiant affilié qui est là. Voilà. Donc pour la spammer, c'est simple. Il suffit d'aller maintenant sur une de nos pages de capture pour un produit. Alors moi j'en ai un, c'est quoi? C'est un TPE, non, c'est un TPE. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est-à-dire c'est une page de capture pour mon produit. Et je rajoute. Point d'interrogation, SA égale avec son identifiant affilié. Donc je vais sur ma page de capture, voilà, avec son identifiant affilié. Ce qui fait que les gens qui vont s'enregistrer sur ma page de capture, elle les verra dans son tableau de bord affilié sur la droite, là, le bloc où il y a marqué contact. En fait, elle verra l'adresse email. Donc dans l'adresse email là, que je marque ici, je peux marquer. Qu'est-ce que je peux marquer? Par exemple. Emma, clique ici, @google.com. Donc tout ce qu'elle verra, c'est qu'elle a envoyé un contact qui s'appelle comme ça. Elle verra aussi le lien vers quelle page elle l'a envoyé. C'est donc cette page, la page de mon produit qui est une page de capture aussi. Donc là, je clique continuer. Alors donc ça continue, la page merci de ma page. Et là, dans son tableau de bord affilié, elle voit que Emma clique ici à google.com a été enregistré. Bon, et en tout cas il y aura le lien vers ma page. Alors dans ce bloc il y a 6 espaces, donc si je le fais 6 fois tout son bloc sera avec le lien vers ma page de capture. Donc je peux faire ça, enregistrer des gens. Voilà, donc ça c'est fini pour la vidéo, pour l'explication. Après dans l'autre vidéo que j'avais faite, on voit que je retourne sur mon compte, je vais dans ma liste de contacts, dans la fiche. Bon, je peux le faire, Marc. Parce que de toute façon, hein, ça coûte pas plus cher. Mais en vidéo, c'est juste, ça prend un peu de temps. Voilà, c'est hop, celui-là. Voilà. Donc là, on voit que le contact Emma clique ici. Donc l'URL source, c'est ça qu'elle aura comme lien. Donc ma page de capture. Bon, alors là, voilà, dans l'autre vidéo, on voyait que dans parrain, on voit l'adresse email de son compte Systemio. Mais bon, elle verra pas ça. Elle, ce qu'elle verra, c'est dans le bloc contact. Elle verra marqué Emma clique ici, Google. Elle dit c'est quoi ça? Elle clique, elle se retrouve sur ma page de capture. Bon, le spam s'arrête là, quoi. Il n'y a pas trop d'explications. Mais c'est tout. Bon, c'est marrant. L'erreur s'est produite. Ah, Veuillez une erreur. réessayer. Ok, je vais réessayer. Là, il faut cliquer où là? Stop recording.